d'achat, quelles questions est-ce qu'on doit se poser? Excellent. Et si oui, y a-t-il une alternative? Alors, connaissez-vous les 4 produits miracles? Ce sont des produits écologiques très chers. Ils permettent de se passer de plein de produits polluants et de faire packager. Allez, chacun un produit. Moi j'en ai un, mais les 4 Ouais. Vinaigre blanc? Ouais. J'ai vu les deux, c'était pas forcément. Des huiles essentielles? Ouais. Waouh! Du savon noir? Ouais. Mais. Waouh! Tester déjà le concept, j'en avais entendu parler il y a un petit moment. Et puis je pense que ce qui est fort dans ce concept là, c'est vraiment le partage d'expérience, le fait de se dire qu'il y a d'autres gens qui ont expérimenté d'autres choses, dans notre cas autour du zéro déchet, que ce sera intéressant d'en bénéficier. Alors je dirais convivial, et si j'ai le droit de tricher et de donner un deuxième mot, je dirais bonne idée. Enrichissant. Bah, c'est simple, il n'y a pas besoin d'une grande préparation. On ouvre simplement sa box qu'on reçoit quelques temps auparavant. On découvre et là on a un petit guide et en fait on comprend assez rapidement comment ça va se passer. Alors la première action que je vais mettre en place, c'est d'adopter un sac à pain. Comme ça, ça évite d'utiliser tous les petits sachets en papier qu'ils nous donnent avec les baguettes. Et je vais aussi aller télécharger le guide éco-frugal qui est dispo en open source sur internet pour faire le plein de bonnes idées. Et ben, je vais apprendre à faire mes produits ménagers. Puisque, voilà, apparemment c'est simple, mais j'ai jamais essayé. Bah, pourquoi pas, j'aimerais potentiellement essayer un autre sujet que le zéro déchet. Je serais curieux de voir un petit peu les autres approches qu'il y a par ailleurs. Chez Ecofrugal, comme chez La Petite Planète, on pense que le passage à l'action, il sera collectif ou en fait il se fera pas. Et du coup, bah, moi je vous invite à embarquer votre entourage, voilà, autour d'un atelier sur le sujet que vous voulez, voilà, partage de bonnes pratiques, peu importe le point de départ des gens, ou alors en montant une ligue MPP, en rejoignant à la prochaine édition et en téléchargeant l'app.